Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau de compte 2. Cette fois-ci, j'incarne Batista et non pas Edge. Voilà, c'est vrai qu'on me voit souvent jouer avec Edge, mais là, j'ai repris Batista. Et on va affronter un Edge et un Macho-Man Randy Savage. Et je fais équipe avec un Samoan Joe. Donc, c'est parti. Donc là, bon, alors ça, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais pourquoi pas. Mais là, ah mince, ouais, bah alors là, c'est. Voilà, là, je retombe dans mes travers de mauvais début de match. Mais ça va, j'ai pu réussir à contrer. Là, justement, j'essaye de bien me déplacer pour pas faire de conneries. Et voilà, j'attaque bien le Edge dans le dos, c'est bon. Voilà, je vais l'enchaîner. Voilà, petit easy, là, c'est vrai que je me sens bien en forme. Batista, c'est un personnage que je maîtrise bien, comme je sais pas, j'ai toujours été à l'aise de jouer avec les Batista. Dans tous les jeux qu'il y a eu, je me sens toujours bien avec lui. Voilà, les petits coups au sol. Et alors, actuel, c'est vrai que personne ne s'est jamais relevé d'une Batista bombe. On verra si dans ce match, eh ben, ils vont se relever, ils vont se dégager d'une Batista bombe. Ça va être intéressant. Allez, alors. Ah, le Big Bon, il esquive, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, je sais pas ce qu'il fait, mais il aurait dû m'attaquer là. Hop là, je reprends le dessus. Mais là, c'est bon. Pour l'instant, le match, je le sens bien parce que là, on se débrouille bien. Samoan Joe, il est pas mal. Et même s'ils esquivent. Voilà, une petite prise, voilà, bon tant pis, il faut bien prendre quelques coups quand même dans un match. Hein. C'est pas grand chose, c'est qu'au début de match. Voilà, c'est une petite prise. Bon, eux aussi jouent quand même pas mal en équipe. Voilà, alors je sais pas pour l'instant lequel est le moins fort des deux, voilà, sur lequel il faut miser. Pour que le Macho Man il a pris plus de dégâts pour l'instant. Voilà, on va continuer de l'attaquer. Allez, je vais m'occuper de lui. Ah mince, un contre ça, je connaissais pas le contrôleur. Ok, je me fais enchaîner. Allez, il me projette dans les corps. Non, mais ça c'est bon, je vais pas me faire avoir pépant par ça. Là, c'est vrai que. Là, c'est pas terrible ce que je fais, mais bon, allez. Voilà, super le recontre, allez, voilà. Hop, là, petit brise mâchoire. Ouais, bon, il n'a même pas besoin de venir. Là, Samoan Joe n'a pas été intelligent parce qu'il m'a plus embêté qu'autre chose, hein, parce que là, j'étais bien. Bon, voilà, je vais l'aider en taquant le Edge. Je pense que le Edge est moins fort. Voilà, le petit DDT. Voilà. Un autre contre. C'est vrai qu'en compte, je me suis vraiment amélioré quand même. Allez, les petits coups de poing. Et on va se dégager. Et le Spine Buster direct. Voilà, je cherche même pas à comprendre. Spine Buster. Il est paralysé. Et allez, le tomber, pourquoi pas. Allez, 1, 2. Dommage. Mais là, il est paralysé. Est-ce qu'il a encore un demande? Non, je crois qu'il n'est plus paralysé. J'aurais peut-être dû faire un Batista Bomb direct. Mais en tout cas. Voilà, c'est parti la Batista Bomb. Ouais, ça va être ma prise préférée. C'est parti. Batista Bomb, allez. Est-ce qu'il va se relever ou est-ce qu'il va pas se relever? Allez, le tomber. On va voir ça direct. Allez. 1, 2. Ah, ben voilà. Le premier qui se dégage de ça. C'est dommage. Ah, c'est dommage. J'aurais peut-être. Ben après, c'est peut-être parce que c'est comme en début de match. C'est vraiment, quand je l'ai fait, c'est quand même dans un match assez avancé. Là, peut-être le début, je comprends. Il n'a pas pris assez de dégâts. Edge est quand même résistant, donc c'est normal d'un côté. Mais bon, c'est dommage, voilà, il fallait bien qu'un jour ma série de Batista Bomb s'arrête. Bon, allez, on va quand même essayer de gagner ce match. Hein. Mais ça, Samoan Joe, il a pas un finish, alors qu'il l'a fait. Alors peut-être son coup spécial, parce que ça, je le connais pas, c'est le personnage-là. Allez, on va le paralyser, il est presque paralysé, le Macho Man, voilà, un petit coup de bélier à la volée, et paralysé. Voilà, les deux sont paralysés, bon, là, c'est bon. Hein. Là, on va se donner encore joie, les petits coups de pied, voilà. Bon, j'aime pas trop jouer comme ça, mais vu qu'on me le fait tout le temps, ben... J'en profite maintenant, c'est vrai que ouais, on les a bien éclatés. C'est vrai, regardez, nous on a aucun dégât sur nos corps et eux ils sont dans le rouge. C'est assez rare quand même que je fasse des matchs comme ça où on les deux justement on élimine nos adversaires directs. Et là encore un super contre et voilà. Et encore un Spine Buster et hop voilà. Bon bah lui par contre il va y avoir droit sa Batista Bomba. Lui il va y avoir droit sa Batista Bomba. Et voilà, ma deuxième Batista Bombe. Voilà. La belle Batista Bombe. Allez, je pense que là, ça doit être plié. Allez. Je pense que là, ça doit être plié. Mais j'aurais pas dû être trop gourmand à en faire une deuxième. Justement, vu que j'en avais une deuxième, je me suis dit, pourquoi pas deux? Comme ça, j'étais sûr qu'il n'allait pas se relever. Bon, en tout cas, il n'a pas l'air d'être terrible, donc je pense que je peux la faire à n'importe quel moment. À mon avis, je pense pas qu'il va me contrer. Voilà, moi je connais assez bon. Et voilà, le petit contre. Et maintenant, je vais lui mettre. Voilà, comme ça, ma troisième dans un match, Batista Bombe. Allez. Maintenant, le tomber, là, c'est terminé. Là, impossible qu'il se relève. 1, 2 et 3. Voilà. Bon, c'était un super match. Hein. Voilà, encore
qui est encore conclu par une Batista Bomb. En tout cas, lui, s'est pas relevé. Voilà. Dès que je l'ai fait, il s'est jamais relevé du tombé. Il n'y a que le Edge qui s'est dégagé. Mais en tout cas, voilà, c'était un super match.